только в твоем лишь ты и я. Никто не узнает, ты рядом, в тебе душа моя. Давай все забудем и просто мгновенье помолчим. Нам возвращаться нет причин. De la Mini Countryman Cooper SD. Alors S veut dire essence et SD veut dire gasoil. Version 190 chevaux, boîte automatique, 8 rapports. Alors c'est un véhicule qui est
très très bien optionné avec son GPS, sa caméra de recul. C'est très rare tout ça. Les sièges chauffants, vous avez également les prises USB, la boîte automatique 8 rapport avec les palettes au volant, le volant multifonction, le compteur digital face à vous, l'affichage également tête haute, la sono Harman Kardon avec son caisson de basse, le double toit ouvrant électrique, intérieur full cuir. Qui est dans un état impeccable, ses jantes également full black, vous avez également tout le kit au niveau des poignées et des rétroviseurs full black également, les feux arrière qui sont au niveau du drapeau anglais à LED. Bref, véhicule très très bien optionné. Alors, son comportement routier, ça reste quand même assez confortable parce que les Mini ont une réputation quand même d'être assez, assez ferme, assez raide. Alors, celles-ci ont fait également beaucoup d'efforts parce que ça fait quand même presque 20 minutes, une demi-heure que je roule avec et franchement, c'est très confortable. Alors, ils ont également fait des efforts sur le maintien du corps au niveau des sièges. C'est un véhicule qui reste quand même assez stable. Alors, au niveau de son réservoir, 51 litres, le poids à vide, il est à peu près de 1500 kg. C'est un véhicule qui développe 190 chevaux. Franchement, il y a une accélération qui est quand même conséquente à son moteur. Donc, c'est un 2 litres turbo diesel. Le véhicule est au niveau de l'alimentation, c'est un turbo à géométrie variable, 4 cylindres, traction. Et franchement, au niveau de la consommation, on est très très bien. On fait une vitesse maxi à peu près de 220 km/h sur un 0 à 100 à 7 secondes 9. C'est pas négligeable. Au niveau consommation, on est sur en mixte 4 litres 3 et en extra urbain à 4 litres. Donc pour vous dire que ça consomme absolument rien du tout, avec un plein, vous faites à peu près 950 km. C'est un chameau, comme on dit. Véhicule qui, voilà, c'est. Moi, je trouve que au niveau de l'habitacle, ils ont fait énormément d'efforts. Bref, un super véhicule à vous présenter. Alors là, on va essayer de faire un petit essai première, deuxième, troisième, quatrième. Voilà, vous voyez, hein, ça marche plutôt bien, même très bien pour un 190 chevaux. Je vous dis, la tenue de route, le châssis, ils ont fait énormément d'efforts et c'est un petit kart, malgré que le véhicule est quand même assez haut, presque, on va dire, c'est pas un SUV, mais presque. Et franchement, son châssis est incroyable, vraiment. Stabilité dans les courbes, on n'est pas ballotté de droite à gauche, ça reste quand même assez stable. Bref, véhicule à vous conseiller qui sera en vente sur le site sportlineautomobile.fr avec également ses 50 photos et sa vidéo complémentaire. Je vous remercie beaucoup pour cet essai et je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas également de vous abonner sur l'Instagram Sportline Automobile, Facebook également et notre page YouTube où il y a tous les essais de tous nos véhicules qui sont à vendre. Je vous remercie de suivre nos vidéos et je vous dis à très vite pour de nouveaux véhicules. Merci et à très bientôt.